Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je viens je suis allé déterrer un truc mystique dans un maquis juste à côté. Juste à côté, cette femme avait mystiquement détruit un maquis. Elle a détruit le maquis de sa sœur. Pour ne pas que le maquis marche, pour ne pas que le truc, donc elle a détruit. Ça faisait pratiquement plutôt une année. Voilà, un an, parce qu'il fallait détruire, il fallait aller déterrer la chose. Or, pour déterrer quelque chose mystique, ça met du temps. C'est les choses qui fatiguent. C'est spirituellement qui fatigue les choses. Donc, ce matin, je l'ai appelé quand je demandais la bovine. Je l'ai appelé pour dire je vais le matin. Je vais se faire de plusieurs soirs, après le temps, la pluie. Je vais programmer ça à 5h du matin. Voilà, pour qu'on puisse faire l'opération. Je viens de faire l'opération tout à l'heure, aller détruire la chose mystique. Madame, vous reconnaissez ça? Vous reconnaissez? Hein? Levez-vous, au fétiche. Lève-toi, le fétiche. Ici, c'est la brigade anti-sorcier. Prends le fétiche. Vous reconnaissez ça? Ok. Comment vous avez mis ça dans le maquis de votre soeur? C'était l'un des plus grands maquis ici à Divo et qu'ils ont détruit mystiquement. Comment vous avez mis ça là-bas? Parlez. Vous savez quoi? En sorcellerie. C'était pour quoi? Parlez fort, parlez bien. C'était pour quoi? Je ne vous attends pas bien. Pour pas que Maki la marche. Pourquoi? Ça fait quoi? Tu as fait maquiller ta soeur, tu ne peux pas l'argent. C'est la raison. Tu allais me mettre ça là-bas. Je vous demande, c'est. Vous avez mis le fétiche là-bas. Ah, je vous demande ou bien? Oui. J'ai le temps, on a cul tout à l'heure. C'était pourquoi? Pour pas maquiller à marcher. Hein? À cause de ça, tu as allé détruire, tu as mis le fétiche là-bas. Hein? Il y a quoi dans le truc noir là, en bas, gros là? Vous voyez comme le diable est mauvais? On va ouvrir. Attrape. Hein? Ça va sentir. Mais si ça sent, ben celui qui peut aller dehors. Ici, c'est la brigade anti-sorcier. Voilà. Si vous voyez que ça sent, celui qui sent que ça sent, qui dégage. Moi, j'ai pas peur des choses. Ah, je pense que c'est déchet. C'est déchet, on met ça. Un petit là, c'est dur. Hein? Est-ce que c'est l'âme que vous avez déjà utilisé? Non. Quelle âme n'a pas été utilisée? C'est un couteau. Hein? C'est un couteau. J'ai pu. Tu vas être général. Seulement le colonel. La gosia ziliwao. La gosia ziliwao. Mola gosia ziliwao. La gosia ziliwao. Ziliwao. Ziliwa u, 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 ziliwa u,
Des aveux, c'est en train de diviser la famille, c'est normal, parce qu'il y a toujours deux clans. Dans la famille, j'essaie de toujours, quand dans une famille, il y a un clan qui est d'accord, et puis c'est comme ça toujours dans une famille. Or, elle a pratiqué la sorcellerie, les gens ne voulaient même pas, donc j'ai commencé à la protéger, en l'envoyant à Zaruko, pour son image et tout ça. Quand elle est venue à Divo, elle est restée dans son coin, elle n'a plus cherché à me voir. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on arrive là. Or, il y avait un truc qui était enfui là-bas, qu'on devait déterrer pour libérer la famille. Mais la famille était patiente. Hein. Combien d'années? Ça fait un an. Oui, un an. Souvent, les gens disent, ah, le prophète, il a vu quelque chose. Vous prenez cet amusement. Allez déterrer quelque chose. C'est pas du jeu. Et comme la patience paye, je revenais hier d'Aboville, puis je l'ai appelé. J'ai dit, je sens que je dois aller détruire ton truc, le fétiche. Je sens que je dois aller détruire le fétiche. Et ce matin, on s'est donné rendez-vous. Et puis, on a pu déterrer la chose. Madame, vous avez tout ça. Allez prendre un fétiche comme ça. C'était pourquoi? Prends la tête là, prends ça. Oh, prends votre fétiche là. Ah, tu prends. Laisse la panne. Laisse. Prends la tête, la soeur. Fais diapo. Oui, amen. Vous savez que le fétiche avec le chat, c'est dangereux. Il faut bien montrer ça. Il faut montrer la tête, là. Il faut bien montrer la tête. Faut bien montrer. La tête d'un chat. Vous savez que le chat, il n'est jamais. Madame, j'ai détruit ton fétiche. Tu dis quoi? Tu dis quoi? À qui? À moi. Ça monte avec du mal. C'est contre moi qu'elle a dit ça. J'ai détruit ça. Tu dis quoi?
Pardon, ta soeur. Tu es venu, vous l'avez vu à Zaréco, non? Oui. Elle est venue ici, là. Je suis devenu son ennemi. Ça va, tu es là ici, ça fait combien de mots? Hein? Ça va plus de deux mots? Ça fait deux mots? Tu es venu, là, tu es resté dans ton coin. Oh, à Zaréco, là, on t'a tous aimé là-bas, on te protégeait, tout ça. Toi, tu es venu à Divo ici, là. Tu es resté dans ton coin parce que tu ne voulais pas qu'on achève le travail. C'est ça qui se présente à moi, il dit, ah, elle ton fétiche là. Elle a commencé à se cacher. On dit, ah, le prophète, va. Moi, je ne sais pas que vous priez ici. Ce n'est pas forcément, mais il faut être vraiment reconnaissant. Ici, en Côte d'Ivoire, là, tu connais quelqu'un qui peut enlever sorcellerie. Tu es sorcier là, c'est moi qui ai enlevé sorcellerie dans ton corps. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas de l'orgueil, il y a ce pouvoir là. C'est pas orgueil. Je peux t'enlever sorcellerie. Je lui disais ce matin, là, ça là, je peux ramener ça dans ton ventre. Oui, aïe. Quand Dieu donne un pouvoir, il a donné un pouvoir, ce n'est pas de l'amusement. Moi, je sais ce qu'il y a en moi. Je sais. Pour qu'on arrive là, je sais quel combat j'ai mené jusqu'à ce qu'on arrive là. Tu ne voulais pas qu'on enlève ça, cela? C'est pas ça. Tu sais pourquoi? Nous allons nous tenir debout, prier pour la famille. Alors, monsieur, bon, non, un petit, c'est pas ça. Et nous allons, regarde, toi avec la foule. Nous allons détruire le pouvoir du fétichisme. Nous prions ensemble, Seigneur. Levez les mains. Spécial avec lui. Hein, on fera un culte spécial avec la famille. C'est le couronnement, c'est l'achèvement de Dieu. C'est vrai que vous avez une église, vous priez quelque part. J'aimerais que toute la famille soit là aujourd'hui. Que nous puissions présenter définitivement ce problème au Seigneur. En même temps, nous envoyer la liste de tous les enfants. Nous allons prier pour que Dieu puisse opérer pleinement. Elle va rester ici. Après la séance, elle rentrera pleinement à la maison. Voilà. Donc, ce n'est pas une séquestration. On la séquestre justement, c'est pour achever un travail. Donc, je m'adresse à sa fille. Voilà, sa fille. Moi, je ne suis pas contre elle, ni contre sa mère, mais je suis contre l'esprit de la sorcellerie. Voilà. Donc, c'est ça qu'il a voulu qu'elle soit là, qu'elle assiste à la scène. Je suis allé détruire un fétiche satanique, démoniaque, parce que les gens ont besoin de vivre librement leur vie. Malheureusement, il y a des gens qui ont des pouvoirs sataniques qui veulent mettre fin à la vie de certaines personnes. Or, Dieu nous a donné ce pouvoir là, pouvoir empêcher ces personnes-là d'aller très loin. Voilà, donc venez ce matin. Moi, je viens de faire un travail. J'allais m'apprêter pour le culte. Soyez là ce matin, nous allons achever vraiment le travail. Voilà, voilà, que Dieu bénisse. Voilà. Donc, je ne suis pas ni contre toi, ni contre ta mère. Voilà, ni contre toi, ni contre ta mère. Je n'aimerais pas qu'on interprète mal ce que je suis en train de faire.
Je suis contre la sorcellerie. Madame, vous reconnaissez que c'est vous qui avez mis ça là-bas? Ok. On ne vous a pas forcé, c'est vous. Vous avez mis ça pourquoi? Pourquoi que Maki la marche de ta soeur qui a fermé Maki dans la sorcellerie? Ok. Donc, venez après. Le culte commence à 9h. Voilà, nous allons démarrer le culte avec tout le monde. Nous allons prier pour tout le monde, que ce soit les enfants, les petits-enfants. Une fois ou deux, c'est l'achèvement du travail. Voilà, que Dieu bénisse.